Wesh, est-ce que ça va, les gens? Jour numéro 4, 4, 4, 4, 4. Il est exactement 16h42. Nous sommes en phase 5. 5. Récapitulons. Phase 1, c'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse. C'était plutôt. C'était pas non plus ouf, ouf, tu vois. Tu vois. Mais ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Phase 2. J'ai dormi. Comme un espèce de con. Oversleep encore. Oversleep de 3 heures cette fois. Je me suis réveillé vite fait. Mais enfin, on va dire que j'ai loupé une phase complète. Ça fait bien chier. Ça fait bien, bien chier. Mais c'est comme ça. C'est l'adaptation. C'est bon. Je vais pas non plus me. Je vais pas non plus me blâmer. Mais c'est relou. Mais c'est comme ça. Quand t'as pas un très bon réveil, tu fais souvent des oversleep. C'est pas grave, on continue, j'ai continué le rythme normalement, j'ai pas sauté de phase. La phase 3, donc j'ai sauté la phase 2. La phase 3, c'était vraiment relou. Genre un oversleep, au lieu, tu te dis ouais, j'ai dormi plus longtemps, c'est bien, j'ai dormi plus longtemps, je suis bien en forme, mais en fait, non, c'est l'inverse. Quand tu dors trop comme ça, t'es complètement défoncé. Donc ça va, c'était supportable, mais j'étais quand même bien plus mort que si j'avais dormi que 20 minutes. Donc RIP, donc j'espère ne plus jamais faire d'oversleep de merde. Ok. Phase 4, c'était plutôt sympa. Plutôt sympa. Comme dirait quelqu'un, c'était pas piqué des hannetons. Il y a une différence sur les nappes, là, que j'ai remarqué pour les deux dernières nappes. Donc la phase 4 et la phase 5. Surtout celui qui vient de se passer là. Je sens que je commence à contrôler le sommeil. Et ça, mais alors ça c'est beau. Franchement. Ça, ah là 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 là, ah vraiment là, quand je commence à contrôler les sommets comme ça, je vais aller m'entraîner street workout là, parce que je pète la forme mon gars, je pète la forme, mais je pète la forme sa mère. En gros tu sens, hein, surtout pour le dernier nap, je me suis endormi rapidement, mais vraiment, et je me suis réveillé un petit peu avant que le réveil sonne, genre 2-3 minutes. Alors bordel, si ça... C'est pas génial, et surtout que c'est le premier nap depuis le début. Le premier nap. Premier nap où je me réveille, les yeux grands ouverts, où je suis en forme. Je suis dans mon lit comme ça. D'habitude, je suis. Là non, j'avais envie de me lever. J'étais pas fatigué, j'étais bien. J'étais bien. Alors franchement, faut que ça continue comme ça. Si c'est comme ça tous les naps. Ah, Zobila! Je vais être le maître des dames. Uberman, mon gars, Uberman. Ah, vraiment là! J'ai dormi 20 minutes, les gars! 20 minutes! Et je pète la forme! Alors, on va prier pour que ça continue comme ça, parce que franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Allez, ciao! Yo! On est jour 5 de l'expérience Uberman phase 6. Oui, je suis à poil parce que bon, je viens de me lever, alors flemme. Flemme, flemme, flemme. Je voulais faire le petit talk. Quoi de neuf, quoi de neuf? J'ai pas encore réussi à tenir la période de la phase 2, donc la période de 4 à 8 heures. J'ai encore fait un oversleep. Bon, c'est relou, c'est retard encore, mais bon, c'est pas grave, je vais finir par arriver. Je vais essayer, ce soir, je vais essayer d'y arriver. On verra bien. Je vais essayer de me forcer vraiment à me lever. Et puis, si jamais je suis vraiment trop crevé, ce que je ferai, c'est que j'irai dehors. Tout simplement. Sinon, que dire? Je sens quand même que à la période. Entre hier et aujourd'hui, quand même, à la période phase 4, 5 et 6, les nappes de phase 4, 5 et 6 sont vraiment pas mal. Aujourd'hui, bizarrement, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas dormir. Pas du tout, mais c'est quand même reposant. Genre, j'ai pas l'impression de m'endormir, mais c'est une sorte de phase entre le sommeil et l'éveil. C'est bizarre. C'est reposant, pas autant que le sommeil, mais c'est sûrement à cause de l'écart que j'ai fait ce matin. J'ai dormi pendant 4 heures. Du coup, j'arrive pas forcément à dormir, mais avec l'habitude, ça commence à rentrer un peu. Donc, ça va. Franchement, ça va. Je suis plutôt en forme. Donc, c'est cool. J'espère que ça va vraiment continuer comme ça. Normalement, ça devrait. Sur ce, à la prochaine!